psaume 47. Battez des mains, vous tous les peuples, poussez des cris de joie vers Dieu avec une voix de triomphe, car l'Éternel est très haut et terrible, un grand roi sur toute la terre. Il assujettit le peuple sous nous et le peuplade sous nos pieds. Il nous a choisi notre héritage, la gloire de Jacob qu'il a aimé, c'est là. Dieu est monté vers un chant de triomphe, l'Éternel avec la voix de la trompette. Chantez Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez avec intelligence, Dieu règne sur les nations. Dieu est assis sur le trône de sa sainteté. C'est entre les peuples qui sont de bonne volonté, se sont réunis au peuple de Dieu d'Abraham, car les boucliers de la terre sont à Dieu et il est fort exalté. Qui dans nos têtes, devant ses mains, Dieu tout-puissant, Père éternel, nous sommes conscients de tout ce que tu fais, Seigneur Dieu, au milieu de nous. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, notre Dieu, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Mais avec toi, nous sommes plus que capables, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Reçois la gloire pour tout ce que tu fais, Seigneur, au milieu de nous. Guérissant les malades, Seigneur. Sauvant les pécheurs. Scellant ton épouse du Saint-Esprit. Remplissant, Seigneur, ton épouse, notre Dieu, de gloire en gloire, Père. Jusqu'à la pleine et totale adoption, Seigneur. Reçois la louange, Jésus. Reçois la gloire, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions pour ta gloire. Amen. Béni soit le nom du Seigneur ce soir. On va chanter simplement un cantique et on va aller directement dans la parole de Dieu. Parce que nous croyons que ce soir, encore une fois, Dieu bénira son épouse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le message de ce soir, le puissant conquérant, Jésus-Christ, le Dieu surnaturel. Amen, qui est mort pour nous au calvaire et qui a vaincu toutes choses et qui nous donne aujourd'hui la victoire sur chaque chose. Et nous bénissons son Saint-Nom pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Vigne de perles de lumière, existant sur les hauteurs. Dans cette ville hospitalière.
puissamment pour ce puissant et glorieux message du prophète William Arubrana. Amen. Simplement en esprit, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et je crois qu'à quitter ce bâtiment, chacun va retourner chez lui avec une joie dans son âme. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, allons directement dans la bande et que Dieu vous bénisse richement. Our gracious heavenly Father, notre bienveillant Père céleste, nous te remercions ce soir pour ce nouveau temps où nous pouvons nous rassembler pour t'adorer. Nous voulons prier, Seigneur, que ton esprit bénisse chaque cœur affamé ici. Remplis-les de ta bonté et de ta miséricorde de telle façon que lorsque la réunion sera terminée et que nous rentrerons chez nous, que nous puissions dire comme ceux d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas en nous alors qu'il nous parlait en chemin? Sauve ceux-là, Seigneur, qui ne sont pas sauvés. Guéris ceux qui sont malades et glorifie ton nom. Et donne gloire à Christ sur la terre, car nous attendons patiemment ce grand jour où cesseront des choses telles que la maladie, la mort, le chagrin et le péché, et où notre grand roi viendra dans la gloire. Nous attendons patiemment sa venue. Et nous voulons demander ce soir que le Saint-Esprit nous accorde sa grâce abondante au-delà de toute mesure, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Pouvez-vous vous asseoir? C'est encore un jour de grande bénédiction pour moi. Je suis un peu fatigué parce que nous avons eu beaucoup, beaucoup d'entretiens aujourd'hui, car c'était la clôture des entretiens. Et je suis juste un peu fatigué. Aujourd'hui, dans la pièce, le Seigneur a donné des visions. C'est un peu dur pour moi, et puis il me faut revenir aux réunions. S'il n'y avait qu'une seule réunion, ça serait différent. Mais vous passez d'une réunion à une autre, d'une réunion à l'autre. Demain matin, il y aura le petit déjeuner des hommes d'affaires chrétiens à l'hôtel Edgewater Beach. Je suis sûr que cela a été annoncé, et j'aurai le privilège, si c'est la volonté du Seigneur, de parler le matin à ce groupe d'hommes et à leurs épouses, ainsi qu'à tous ceux qui viendront à ce petit déjeuner. Le Seigneur voulant, j'aimerais prêcher le matin sur les trésors de la vie. Et puis demain soir, notre bon ami, l'humble serviteur de Dieu, frère Tommy Osborne, sera ici. Et ils vont projeter son film que j'attends impatiemment de voir, le voir moi-même. C'est sur son œuvre, là, en Afrique. Et puis, peut-être après la projection de son film et que vous aurez vu comment Dieu exauce les prières de ce vaillant guerrier, peut-être qu'il priera pour les malades demain soir, aussitôt après la projection de son film. Et puis dimanche matin, si vous êtes les visiteurs ici, allez à une bonne église. Et ensuite, dimanche après-midi, frère Osborne parlera encore et priera pour les malades le dimanche après-midi. Le dimanche soir, j'aurai le privilège alors de clôturer les services de cette campagne. Le Seigneur voulant, et s'il ne me fait pas changer d'opinion, j'aimerais parler dimanche soir sur la porte dans la porte. Ce sera le sujet de dimanche soir, le Seigneur voulant. Maintenant, ce soir, j'aimerais lire dans le livre de l'Apocalypse du Seigneur Jésus, au chapitre 6, les deux premiers versets. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sceaux, et j'entendis
comme un bruit de tonnerre. Et l'un des quatre animaux disait, « Viens et vois. » Je regardais, et voici un cheval blanc. Et celui qui le montait avait un arc, et une couronne lui fut donnée. Et il partit en conquérant, et pour conquérir. J'aimerais prendre mon sujet pendant quelques moments ce soir, si vous voulez prier avec moi, sur le sujet le puissant conquérant. Ça a été notre privilège, lors des dernières réunions, de parler sur les jugements qui arrivent, et aussi sur l'enlèvement de l'Église juste avant la période de tribulation. Et je crois solennellement de tout mon cœur que l'enlèvement aura lieu avant la tribulation. Peut-être beaucoup d'enseignants ne sont pas d'accord avec cette idée, ou plutôt cet enseignement. Mais je n'ai pas d'instruction et j'étudie la Bible à partir des types. Et les types sont des ombres. Et si nous pouvons voir ce qu'est l'ombre de quoi que ce soit, alors nous aurons une conception générale de ce que, à quoi ressemble le positif. Et nous voyons que, avant le déluge, pas une seule goutte d'eau n'était tombée avant que Noé et tous ceux qui devaient être sauvés du déluge se trouvent dans l'arche et que les portes soient fermées. Et nous voyons qu'avant qu'une seule boule de feu tombe du ciel sur Sodome et Gomorrhe, que Lot devait quitter la ville et être tout à fait hors du chemin du jugement. Car le juste juge ne pouvait pas juger les justes avec les injustes. Parce que les croyants ont déjà été jugés quand Christ a été jugé à leur place. C'est pourquoi ce serait injuste que le Dieu Saint les juge encore après qu'il ait déjà accepté notre jugement en Christ. Et maintenant, le sujet ce soir, c'est le puissant conquérant. L'homme a résolu depuis le début des âges de conquérir. L'homme aime être un conquérant. Et c'est une chose formidable d'être un conquérant. Un conquérant, c'est quelqu'un qui a vaincu son ennemi. C'est la raison pour laquelle je crois que les Écritures disent que nous sommes plus que conquérants, car il a conquis pour nous. Et les hommes, en ces moments glorieux, où ils vont de l'avant, où ils conquièrent, d'habitude, ils ont une grande célébration après cela. Il nous est dit que lorsque Adolf Hitler avait conquis la France, il avait établi son siège là, à l'Arc du Triomphe, des heures durant, quand les soldats allemands défilaient torse bombé au pas de loi, en l'honneur de leur grand Führer, et des avions vrombissaient jusqu'à assombrir le ciel, pour rendre hommage à Adolf Hitler, car ils avaient conquis la France à nouveau. Mais vous voyez, ça n'a pas duré, car si un homme est un conquérant, ses objectifs doivent être corrects, et ses motifs doivent être corrects. Et si vous ne jouez pas franc jeu, vous êtes obligé de perdre, peu importe combien vous êtes conquérant. Vous devez suivre les règles du jeu pour être un vainqueur. Et si vous trichez, on vous écarte du jeu, peu importe combien vous êtes un bon joueur. Ainsi, Hitler
n'a jamais suivi les règles. Il voulait toute la puissance pour lui-même et toute la gloire pour lui-même. Par conséquent, ses objectifs étaient mauvais. Et tout homme qui a de tels motifs ou de tels objectifs finira juste comme Hitler. Il nous est dit que lorsque Constantin le Grand était en route vers Rome, il avait fait un rêve une nuit juste avant de traverser pour aller se battre. Il était un peu inquiet de l'issue de la bataille. Mais dans ce rêve, il a vu une croix blanche. Et une voix lui a dit, par ceci, tu conquerras. Donc il a réveillé ses soldats en pleine nuit et il a peint une croix blanche sur leur bouclier. Et effectivement, il a vaincu. Alors nous pensons à un autre homme. Il y a environ 2 ans, j'étais près de Waterloo en Belgique. Je regardais les ruines du lieu où Napoléon avait connu la défaite. Et alors que j'étais là, quelqu'un m'a donné un petit livre. Et je lisais l'histoire de ce grand homme. Tout d'abord, il a haïssé la France, et ensuite, il est devenu un guerrier et il avait conquis le monde à l'âge de 33 ans. Et les objectifs qu'il avait cependant, et on nous rapporte qu'à l'âge de 33 ans, il avait conquis le monde entier. Et il s'était assis, il avait pleuré, parce qu'il n'avait pas d'autre endroit à conquérir. Un grand gars. Mais dans ses conquêtes, ses objectifs étaient mauvais. Il voulait la puissance pour lui-même. Et il voulait que tout le monde le craigne. Et à l'âge de 33 ans, le monde entier tremblait. Rien qu'à penser à Napoléon. On nous dit, dans ce petit livre de l'histoire, que lorsque les mamans allaient mettre leurs enfants au lit et que ces enfants se montraient indisciplinés, les mamans disaient d'habitude, si tu n'es pas sage, le vieux croque-mitaine va t'attraper. Mais au lieu de dire, le vieux croque-mitaine va t'attraper, elle disait, Napoléon va t'attraper. Et les enfants avaient plus peur de Napoléon que de croque-mitaine, parce qu'il était un tel meurtrier et un tel homme méchant. Et c'est à l'âge de 33 ans qu'il est mort. Tout d'abord, il était un prohibitionniste, mais il est mort alcoolique, un ivrogne, car ses objectifs n'étaient pas bons. Vous ne pouvez pas conquérir par le mal. Seul le bien conquerra. Vous n'allez jamais conquérir par la tricherie. Vous n'allez jamais conquérir en faisant des prosélytes dans votre église. Vous n'allez jamais conquérir en construisant une dénomination sur une autre. Vous n'allez conquérir qu'en laissant tomber les barrières, qu'en laissant entrer le Saint-Esprit dans le corps entier de Christ. Nous n'allons jamais conquérir tant que nous sommes égoïstes. Dieu hait le péché. Il le déteste et il ne le laissera jamais triompher sur le mal. Napoléon mourut à 33 ans, lui, le conquérant du monde. Mais le péché l'avait conquis.
Mais, oh, il y eut un autre homme qui mourut aussi à l'âge de 33 ans, qui avait conquis le monde, et il avait conquis l'enfer, il avait conquis la mort. Il avait conquis chaque ennemi de la race humaine. C'était notre Seigneur Jésus béni, le puissant conquérant. Il n'était pas venu conquérir pour lui-même. Ses objectifs étaient de faire la volonté de Dieu qu'il avait envoyé. Il ne combattait pas pour lui-même. Il s'est donné lui-même. À la croix, il a dit, « Je pourrais parler à mon Père, et il m'enverrait tout de suite des légions d'anges. » Mais il est venu conquérir pour la race déchue d'Adam. Et les ennemis, chaque ennemi, je désire que vous écoutiez ceci. Chaque ennemi de la race déchue d'Adam a été conquis et placé sous ses pieds. Lorsqu'il était ici, je peux voir un tableau représentant ces démons alors qu'ils avaient possédé un jeune homme et toute la force militaire et leur puissance. Tout ce que la loi pouvait faire, c'était de le lier dans des chaînes. Et il était tellement fort, avec cette puissance démoniaque sur lui, qu'il pouvait briser ses chaînes. Il n'y avait aucun moyen de le conquérir. Et les mauvais esprits l'avaient chassé loin des hommes. Et il avait établi sa demeure là, dans les tombes. Et quiconque passait par là, il les conquérait. Mais, oh, un jour, un petit homme descendait ce chemin. La Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour attirer nos regards. Peut-être qu'il était un petit homme voûté aux cheveux pendant au cou. Et ce démon pensait, voici pour moi l'occasion de vaincre ce petit gars. Et ils avaient possédé cet homme. Et ils se sont lancés sur la route à sa rencontre. Et pendant qu'ils couraient vers lui pour le conquérir, il a levé les yeux et ils ont changé de discours. Plutôt que de chercher à le conquérir, ils ont dit, « Toi, le Saint de Dieu, pourquoi es-tu venu nous tourmenter avant le temps ?» Ils savaient qu'ils avaient rencontré leur maître. Le grand et puissant conquérant du ciel se tenait là. Il n'était pas physiquement assez grand pour briser des chaînes. Il n'était pas physiquement capable de tenir un homme possédé par des démons. Mais en lui était la puissance du Dieu Tout-Puissant devant qui les démons doivent se prosterner. Et il a conquis cet ennemi. Cette race d'Adam qui était liée par un tel esprit a le privilège de prendre le nom de ce puissant conquérant et de le chasser. Puis je veux le voir, je peux le voir un jour, lorsqu'il est entré dans une maison où il y avait un malade chez ses disciples, et dans cette pièce se trouvait la belle-mère de Pierre, au lit avec de la fièvre. Et bien sûr, les médecins peut-être ne pouvaient pas l'aider, mais il n'a pas dit un mot. Il s'est simplement avancé et lui a touché la main. Et la maladie était conquise. Il a conquis la maladie pour la race d'Adam. Et un jour,
alors que son ami intime était mort et qu'il s'en était allé depuis 4 jours. Quand il est arrivé là, les vers grouillaient dans son corps et ses mains que Jésus avait serrées et ses épaules sur lesquelles il avait tapoté, la corruption les avait conquises et la mort avait conquis son ami. Et je peux le voir debout là, ses petits yeux pleins de larmes. On dirait un homme ordinaire. Et il a parlé. Lazare, sors! Et la corruption a rendu sa victime. La mort a délivré l'âme de l'homme. Car le puissant conquérant a parlé aux morts et à celui qui l'avait décomposé, montrant ce qu'il pouvait faire pour tous les enfants d'Adam. Je suis si heureux qu'il soit mon ami, car un jour, si Jésus tarde, c'est ainsi que nous tous nous serons. Mais il est le puissant conquérant. Un soir, alors qu'il traversait la mer, les puissants éléments de la terre sont devenus désobéissants. Et pendant qu'il se reposait à l'arrière de cette barque, les vents sont descendus des cieux et se sont mis à agiter la mer. Et de grosses vagues faisaient bouillonner jusqu'au fond. Et la petite barque était remplie d'eau. Et c'était pratiquement le bout du chemin. Et alors ils l'ont réveillé. Il s'est frotté les yeux et il a dit, « Oh, gens de peu de foi, où est votre foi ?» En d'autres mots, puisque vous m'avez vu délivrer le maniaque, comme vous avez vu la fièvre s'en aller et les morts ressuscités, où est votre foi? Et il a placé le pied sur le bord de la barque. Il a levé les yeux vers les vents et il a dit, silence. Et il a dit à ces vagues tourbillonnantes, taisez-vous. Et ils se sont calmés comme un enfant dans les bras de sa mère. Les vents et les vagues lui ont obéi. Au point que ses apôtres, ses amis intimes, ont dit, quelle sorte d'homme est-ce à qui même les vents et les vagues obéissent? De l'autre côté de la mer se trouvait une petite femme qui habitait près du rivage. Elle avait entendu parler de sa renommée. Elle avait dépensé tout son argent cherchant à se débarrasser d'une perte de sang. Et elle avait donné cela aux médecins. Ils avaient essayé avec dévouement et fortement, mais ils ne pouvaient rien faire. Le sang continuait de s'écouler. Et elle est descendue au rivage. Et elle s'est frayé un chemin à travers la foule jusqu'à ce qu'elle touche le bord de son vêtement. Que s'est-il passé? Le puissant conquérant était là, tout près. Et cette maladie qui avait défié les médicaments et les médecins a obéi à la volonté du puissant conquérant et sa perte de sang s'est arrêtée. C'est lui. La mort avait frappé un foyer où il y avait une fillette de 12 ans. Et alors qu'il s'en allait là, un message fut envoyé disant, « Ne dérangez pas le maître, car ta fille est déjà morte. Tout est fini maintenant. » C'est parfois ainsi que nous arrivons. Nous pensons qu'il n'y a pas d'espoir. Mais il est encore le puissant conquérant. Quand il n'y a pas d'espoir, il est toujours le même.
Et ils pensaient que c'était fini. Ils avaient embaumé son petit corps et l'avaient déposé sur un lit. Et le coursier disait, ne le dérangez pas, car il n'y a plus d'espoir maintenant. Et alors que son papa regardait Jésus pour se mettre à pleurer, oh, ses précieux yeux se sont tournés vers Jaïr. N'aie pas peur, crois seulement, et tu verras la gloire du Seigneur. Il est entré dans cette chambre mortuaire, où seule la fin des temps pouvait en révéler la fin. Mais le commencement et la fin se tenaient là. Et il a tenu la jeune fille par la main et il a dit, « Jeune fille, lève-toi !» Et la mort a été conquise. Et elle s'est levée et a vécu. Le plus grand ennemi que l'homme ait jamais eu, c'est la mort. Pour tous les hommes. Et il est allé au calvaire un jour. Et là, sur la croix, lui, une fois pour toutes, a conquis le plus grand ennemi que l'homme ait jamais eu. Il a conquis la mort pour nous tous. Puis quand il est mort, cela n'a pas mis fin à toute la chose. Il devait encore être le puissant conquérant. Ainsi la Bible dit qu'il est allé prêcher aux âmes en prison qui avaient rejeté le message d'Enoch et de Noé, ce dont nous avons parlé hier soir, et de tous les autres, de ceux qui étaient à Sodome et ceux qui avaient rejeté les prophètes. Il leur a rendu témoignage qu'il était la réponse au message de chaque prophète, le puissant conquérant. Mais ils avaient franchi la ligne entre la mort et la vie. Il n'y avait plus d'espoir pour eux. Il est allé dans la région des démons. Il les a mis en déroute. Et il est allé là, dans les abîmes même de l'enfer, toujours vivant. Bien que son corps était inerte sur la croix, il était toujours le grand et puissant conquérant. Et après 1900 ans, il est encore le puissant conquérant. Et il sera pour toujours le puissant conquérant. Alors, lorsqu'il est arrivé aux portes même de l'enfer, si nous pouvons présenter une petite scène ici, le diable s'est avancé et il a dit, « Finalement, je t'ai eu. Tu es finalement arrivé. J'ai cherché à détruire cette semence tout du long. J'ai détruit Abel, je pensais t'avoir eu. En tuant les prophètes, je pensais t'avoir eu. J'étais sûr, en ayant Jean, de t'avoir eu. Mais maintenant te voilà, et tu es dans mon royaume. Et tu es sous ma domination. Et tu es dans mon pouvoir. Car tu es mort comme un pécheur. Je peux l'entendre dire, Satan, je suis le Fils de Dieu né d'une vierge. Mon sang est encore humide sur la croix. J'ai satisfait à toutes les exigences pour la race déchue d'Adam. Et je suis venu ici pour conquérir et pour prendre le pouvoir. Amen. Il a tendu la main vers le diable. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Et il les a accrochés à son côté. Et d'un coup de pied, il a renvoyé à sa place dans les abîmes. Il est toujours le puissant conquérant. Il a repris le chemin vers la terre après la victoire sur la mort et le séjour des morts.
pour remporter la victoire sur la tombe. Mais alors qu'il remontait les grands sentiers, il a entendu des hymnes chantés et il savait qu'il était près des portes du paradis, là où ceux qui avaient obéi au message de Noé, ceux qui avaient obéi au message des prophètes, là où ils attendaient, parce qu'ils ne pouvaient pas monter. Il y avait une brume de péché sur la terre, et le sang des taureaux, des veaux et des brebis ne pouvait pas faire l'expiation pour l'homme. C'est pourquoi ils étaient gardés dans un lieu appelé paradis. Il y avait une brume de péché qui planait dessus. Il ne pouvait pas monter, sauf lui qui était descendu. Et il s'avance vers la porte, et il frappe doucement à la porte. Père Abraham ouvre la porte, et il était là ébloui. Et il a dit, Sarah, viens ici juste un instant. N'est-ce pas la même personne pour qui tu avais fait des gâteaux? N'est-ce pas celui qui était assis sous le chêne ce jour-là? Sarah a dit, c'est celui qui avait le dos tourné à la tente et qui avait discerné mes pensées alors que je riais de ce qu'il avait dit. Il a dit, mes enfants, je suis venu pour vous prendre maintenant. J'ai conquis cette chose horrible appelée le péché. Et juste alors, par-dessus son épaule, l'épaule d'Abraham, et Sarah regardait, je peux voir une autre tête bouger. Et c'était peut-être un homme âgé. Et il regardait par-dessus l'épaule d'Abraham. Et lui aussi était ébloui. C'était le prophète Daniel. Il a dit, c'est cette pierre que j'ai vue se détacher de la montagne sans le secours d'une main et qui allait détruire les royaumes du monde. Quelqu'un vient en courant. Qui était-ce? C'était ce prophète Ézéchiel. Il regarda par-dessus l'épaule du prophète et il dit, alors qu'il se tenait là tout ébloui, voilà la roue dans la roue que j'ai vue tourner là dans les airs. Chacun le voyait sous la forme dans laquelle il l'avait prêché. Oh, quand sera-t-il quand nous le verrons comme la rose de Saron, le lys de la vallée, le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme? Que sera-t-il? L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la racine et le rejeton de David, l'étoile brillante du matin. Et alors qu'ils sont sortis, il a conquis la tombe. Et alors, il y avait toujours une grande brume qui planait sur la terre. Il devait donc conquérir cette brume de péché, cette brume qui se dégageait avec une puanteur, là, les péchés des gens, et avec son propre sang, son habit teint de sang, il a conquis les atmosphères célestes. Béni soit son saint nom. Il a dissipé les brouillards de l'enfer de part en part, jusqu'à faire une percée dans les cieux, telle que les enfants perdus d'Adam puissent prier jusqu'à vaincre. Il a conquis les atmosphères. Il a conquis le péché. Il a conquis la mort. Il a conquis l'enfer. Et il est ressuscité triomphalement. Il est allé au-delà de la lune et des étoiles avec les saints de l'Ancien Testament. Oh, quelle marche victorieuse cela devait être avec le véritable conquérant.
Après un temps, ils ont vu cette cité glorieuse. Abraham dit à Sarah, « Viens ici, chérie. » Et elle rejoint Isaac et suit. Isaac prend Jacob, Jacob prend Joseph. Et il a dit, « Voilà cette ville que papa a vue, dont l'architecte et le constructeur est Dieu. J'irai sur la terre à la recherche de cette cité à venir, dont l'architecte et le constructeur est Dieu, et maintenant je m'approche de ses portails. Bien qu'ils soient de grands hommes, ils ne pouvaient pas conquérir cela. Il fallait cette personne, que cette personne descende pour conquérir. Bien qu'Abraham eut conquis des difficultés, aussi Isaac, Jacob et Joseph, mais il n'y avait qu'un seul qui pouvait conquérir le péché. C'était lui, le Seigneur Jésus. Et quand ils ont aperçu la lumière éclairant la ville de l'intérieur et les grands portails de perles qui brillaient, Jésus marchait en tête. Et les anges se sont mis à chanter et ils les virent arriver. Et les saints de l'Ancien Testament s'écrièrent, ouvrez-vous, portes éternelles, et élevez-vous, et que le roi de gloire fasse son entrée, le puissant conquérant. Et les anges ont répondu en criant, qui est ce roi de gloire? Et les saints de l'Ancien Testament se sont écriés, l'Éternel des armées, puissant dans la bataille. Et les portes s'ouvrirent. Et il a placé à la porte la vieille croix rugueuse, afin que chaque homme ou chaque femme qui franchit cette porte s'incline devant cette croix et le reconnaisse comme le puissant conquérant. Et alors que les anges, des dizaines de milliers de fois, des milliers de milliers, s'écriaient, poussaient des cris et louaient le Seigneur. En tant que puissant et vaillant guerrier, il a emmené captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. Non pas à l'arc de triomphe comme Adolf Hitler, mais dans les sphères de la gloire. Les anges chantaient, louaient l'étoile du matin alors qu'elle descendait la rue en tant que puissant conquérant qui avait conquis les péchés du monde et avait amené triomphalement les justes. Ils parcoururent la ville jusqu'au trône. Là, sur le trône, était assis le puissant Jéhovah. Et quand Jésus est allé au trône, il a fléchi les genoux et il a dit, « Père, j'ai achevé cette œuvre que tu m'avais donnée d'accomplir. J'ai payé la dette du péché. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Et ton ennemi est vaincu. Et ceux-ci sont ceux qui ont attendu patiemment cette heure. Et je peux voir le Père alors qu'il dit, monte ici sur mon trône, mon fils, et assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Il s'est assis là, le puissant conquérant, faisant confiance dans sa parole. Je crois tout ce qu'il dit. Je crois en lui comme mon tout, comme mon souffle, comme ma vie, comme tout ce que j'ai. Ce soir, je m'abandonne entièrement à lui, à la fois âme, corps et esprit. J'attends sa seconde venue dans la gloire. Quand je suis triste, je me confie en lui. Quand je suis heureux, je me confie en lui. Quand je suis malade, je me confie en lui. Et quand je suis perdu, je me confie en lui. Quoi qu'il m'arrive, je mets ma confiance en lui. Il y a quelque temps, dans les montagnes Adirondack, une petite chose me revient à l'esprit. Je ne l'ai jamais raconté en public.
Ma mère est mi-indienne. Et j'aime les bois, vous le savez. Mais ma conversion ne m'a pas ôté cela. Oh, combien j'aime les bois et les montagnes. C'est mon divertissement. L'autre jour, je parlais à mon épouse, l'autre jour, en disant, chérie, Dieu m'a aidé dans tout ce que j'ai fait. Étant pêcheur, je suis un piètre pêcheur. Mais j'ai battu des records nationaux. Là, à un endroit le plus mystérieux où un pêcheur n'aimerait même pas aller, c'est le Seigneur. J'ai fait des tirs au fusil à 600 mètres, ce qui est tout à fait inconcevable pour n'importe quel fusil. Mais cela atteint la cible 33 fois d'affilée, l'un après l'autre, alors que je suis qu'un piètre tireur. C'est le Seigneur. Je pensais peut-être très bon homme de bois, que je ne pouvais pas me perdre. Je venais de me marier. Et Billy était un petit garçon alors. Sa mère était morte, ça faisait environ 5 ans. J'ai pris mon actuelle épouse, Meda, et ils étaient restés là dans une petite cabane, et j'attendais l'arrivée des gardes forestiers. Et j'ai dit, je pense que je vais m'attraper un peu de gibier. J'ai dit, attendez. Et si le garde forestier arrive, nous irons chasser l'ours là, sur la montagne Hurricane. J'ai dit, attendez ici, ils vont ouvrir la cabane quand ils vont arriver. Et ce soir-là, il faisait très froid, nous étions obligés d'étreindre le petit garçon pour l'empêcher de geler. Et alors je suis allé à la recherche de gibier dans la montagne. Je pensais connaître ces Adirondacks, chaque arbre. Mais quand vous en arrivez à un endroit où vous pensez connaître quelque chose, alors vous ne connaissez pas comme vous devriez le connaître. C'est ce que disent les Écritures. J'ai gravi quelques collines, et puis je suis descendu. Et j'ai vu un gros lynx là, et je suivais sa piste parce qu'il chassait. Et je me suis dit, si je pouvais lui tirer dessus, je pourrais l'avoir. Mais je n'ai pas pu l'attraper. Et puis je me suis dit que j'allais flairer un ours. J'ai atteint un petit creux, j'y suis descendu en me dirigeant dans cette direction vers ce qu'on appelle les géants. Et pendant que j'étais là, j'ai regardé de l'autre côté et j'ai vu quelque chose bouger dans les buissons. N'importe quel chasseur sait qu'on ne tire pas sur les objets, vous devez savoir sur quoi vous tirez. Donc, ça pourrait être un homme. Donc, j'ai attendu que cela apparaisse et c'était un vieux cerf. Et quand j'ai tiré le cerf, j'ai dit à ma femme que je serais de retour à 14 heures, j'ai fait demi-tour. Et le brouillard commençait à descendre, la neige et le brouillard. Je commençais à remonter de là, je pensais, et j'ai marché, et je ne retrouvais plus mon endroit. Je me suis arrêté, et puis je me retrouvais à nouveau devant ma biche là. J'ai repris et je me suis à nouveau retrouvé dans la biche. Je revenais toujours au même endroit. Maintenant, les Indiens appellent ça la marche de la mort. Vous tournez en rond. Vous n'avez pas de boussole. Et les vents soufflaient très fort. Tout le monde sait que quand il y a du brouillard dans les montagnes, on peut à peine voir sa main devant soi. Et la seule chose à faire, c'est d'entrer quelque part, se terrer quelque part, trouver quelque chose à manger et rester là jusqu'à ce que tout soit passé. Mais je ne pouvais pas faire ça. J'avais mon épouse et un enfant là dans les bois. Et ils allaient mourir sous cet orage. Je ne pouvais pas faire ça. Je devais essayer de nouveau. Et après être parti aussi loin que je pensais, je me suis dit, eh bien, je suis perdu. Attends une minute, Bill Brown. Tu n'es pas perdu. Tu penses simplement que tu es perdu. Eh bien, assieds-toi une minute. Et alors que j'allais m'asseoir, la neige soufflait, le vent tourbillonnait, les arbres se penchaient. Je me suis dit, oh là là, ma femme n'était jamais sortie de la ville de toute sa vie, sauf pour se promener à la campagne et revenir. Que ferait-elle sans moi si je me perdais dans la montagne? Elle s'affolerait, et elle mourrait avant le matin, elle et mon enfant. Et j'ai dit, oh, tu es un trop bon homme des bois pour te perdre. Tu sais, ton instinct te dit que tu devrais aller tout droit dans cette direction, car le vent soufflait en face quand tu gravissais la colline. Sois donc être derrière toi, descendre la colline. Je me suis donc engagé dans cette direction-là, et quelque chose s'est mis à parler. Je suis un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Et je me suis dit, eh bien, je perds la tête. Je pense entendre une voix me parler. J'ai secoué la tête et j'ai dit, vas-y mon gars,
Vas-y, tu es sur la voie qui mène droit au camp. Tu sais que c'est ça. J'ai pris mon fusil et j'ai dit, « Vieux fusil, ça fait bien longtemps que tu es avec moi, tu vas m'aider à en sortir. » Je l'ai jeté sur mon épaule. Je me dirigeais exactement vers le Canada. Sans le savoir. Et cette voix continuait de me parler. Je suis le Seigneur. Je suis un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Et il se faisait de plus en plus profond jusqu'à ce que finalement, je me suis arrêté, j'ai posé mon fusil contre un arbre. J'ai posé mon vieux chapeau de chasse par terre, je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas un homme des bois. Je suis un homme misérable, perdu. Je ne mérite pas de vivre. Mais s'il te plaît, aie pitié de ma femme et de mon enfant. Je pensais pouvoir conquérir tout orage, n'importe quel bois, mais j'ai découvert que je n'étais pas un conquérant. Et quand j'ai prié, je me sentais vraiment bien. Je me suis relevé et j'ai dit, mon instinct me dit de continuer tout droit. Je vais aller tout droit devant moi. Et quand j'ai commencé à marcher, en essuyant les larmes de mes yeux, peut-être que vous n'allez pas croire ceci, mais j'ai senti la main du puissant conquérant se poser sur mon épaule. Je me suis arrêté, ahuri. Je me suis dit, je suis seul ici dans ce bois. Qui est sorti de derrière un arbre pour poser sa main sur mon épaule? Je me suis retourné, j'ai regardé, et il n'y avait personne. Mais quand j'ai regardé en arrière, à ma droite, les vents s'étaient dissipés, et j'ai vu la tour sur la montagne, la tour Hurricane, où le garde forestier et moi avaient installé le téléphone jusque-là. J'allais à la mort, sans le savoir. Mais il est un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. J'ai fait demi-tour, vite, avant que les nuages reviennent. Juste une petite percée et j'ai repéré la tour. Qu'était-ce? C'était sa main puissante, lui qui a maîtrisé les vents et les vagues. Il a dissipé le brouillard pour sauver un pauvre malheureux perdu. Il est toujours vivant, il est le puissant conquérant. Je me suis dirigé vers cette tour. C'était redevenu tout brumeux à nouveau, mais je devais aller en ligne droite. Et j'ai marché. Il faisait noir. J'ai gravi cette montagne, les glissements de terrain et tout. Je savais que je ne pouvais pas changer de direction. Il faisait noir. Les cerfs sautaient devant moi, des animaux. Je ne faisais pas attention à eux. Je suivais mon chemin en disant, je fais confiance au Seigneur. Je me tiens sur sa parole. Et comme je pensais qu'il faisait trop noir, j'ai dit, oh, si seulement je pouvais toucher ce fil téléphonique. Je savais qu'il traversait la montagne quelque part. Je l'avais installé. Je me suis dit, si seulement je peux toucher ce fil. Si seulement c'est mon seul espoir, je ne vois plus. Si seulement je peux toucher ce fil. Et j'étais sur le point d'abandonner. Et après un certain temps, ma main a touché quelque chose. Je l'ai senti. C'était le fil. Et je ne pouvais pas le lâcher. J'ai ôté mon chapeau. J'ai jeté mon fusil par terre. Je pleurais comme un enfant. Je savais qu'au bout de ce fil téléphonique, ma femme et mon enfant m'attendaient là. Je ne pouvais pas lâcher ce fil. Tout le long de la montagne, je m'y suis accroché aussi respectueusement que possible. Et j'étais ramené sain et sauf vers mes bien-aimés. Frère, un jour, alors que j'étais perdu, c'était pire que ça. J'ai entendu une voix. Je suis toujours le puissant conquérant. Et il a ôté mes péchés et j'ai posé la main sur la puissance du Dieu Tout-Puissant qui m'a secoué du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. J'ai posé la main là-dessus depuis. Au bout de ce chemin, m'attendent mon Seigneur et mes bien-aimés. Et un jour, j'espère les voir. Je resterai sur le chemin, je resterai accroché
à ce câble de la gloire qui va de la croix à la gloire, et je croirai en lui jusqu'à la mort, car il a conquis tous mes ennemis, il a conquis mes maladies, il a conquis mes péchés, il a conquis mon égoïsme, il a conquis mes voies. Et aujourd'hui, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ qui a conquis pour moi. Si vous ne le connaissez pas, c'est maintenant le moment de le connaître, alors que nous inclinons la tête un instant dans la prière. Alors que nous attendons et que la musique s'apprête, je me demande, pendant que vous y pensez, avez-vous déjà mis votre main dans la sienne? Avez-vous déjà senti la différence? Vous avez peut-être serré la main du prédicateur, tout va bien. Mais avez-vous déjà touché la main du conquérant? Le connaissez-vous comme votre sauveur, comme votre conquérant? Il a conquis votre jugement. Vous n'avez pas à mourir, non plus à passer par le jugement. Mettez simplement votre main dans la sienne et suivez. S'il y a un homme ou une femme ici, un garçon ou une fille qui n'a jamais fait ça, voulez-vous lever la main en disant, ceci, frère Branham, priez pour moi. Je veux toucher sa main. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, monsieur, madame. Quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse là. Je veux toucher la main du puissant conquérant. Que Dieu vous bénisse. Monsieur ici, madame, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, ma sœur, mon frère, et vous. Je veux toucher cette main qui a des cicatrices. Oh, c'est différent. C'est différent quand on touche une autre main. Il est le puissant conquérant. Vous ne pouvez pas conquérir par vous-même. Vous devez dépendre de lui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut toucher sa main? Levez-la vers lui et dites, Seigneur, sois miséricordieux envers moi. Là au balcon, que Dieu vous bénisse là-haut, jeune dame, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Jeune homme, à droite, que Dieu vous bénisse, madame, que Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu'un d'autre, levez la main et dites, Seigneur, sois miséricordieux envers moi. J'ai été, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai été à ces réunions, frère Branham. Je vois Dieu se révéler et j'aimerais qu'il me touche. Je veux sentir son toucher en retour et cette petite secousse dans mon cœur qui me dit que je suis pardonné et que je peux rentrer à la maison avec lui. Quand cette heure terrible viendra, quand son église sera enlevée, je veux avoir ma main sur ce fil. Que Dieu vous bénisse là, jeune fille, là, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse ici, madame. Alors que nous attendons encore un peu, il y a 30 mains ou plus qui sont levées, des pécheurs qui invoquent la miséricorde de Dieu. Maintenant, avec la tête inclinée, et que chaque chrétien prie, fredonnons ce cantique maintenant. Sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et par ma foi dans ta promesse, ô agneau de Dieu. God bless you, sir. I come. Tel que je suis, je viens. Just as I am, and waiting not to rid my soul. Tel que je suis. Of one dark. Sans attendre pour me débarrasser de mes tâches, à toi le puissant conquérant, dont le sang put purifier chaque tâche. Ô agneau de Dieu, je viens. God bless you, young lady. I
come, just another. God bless you, sister back there. He sees you. Il vous voit. Si vous croyez que je suis son serviteur, quand vous avez les mains d'un cœur sincère, un ange qui enregistre, inscrit votre nom dans le livre. Celui qui viendra à moi, je ne le rejetterai jamais, je ne le rejetterai pas. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Juste une touche de sa main, il conquiert le péché, il conquiert votre tempérament colérique. Il conquiert vos penchants naturels. Il conquiert vos habitudes, votre vie. Il est le puissant conquérant. Ne voulez-vous pas vous abandonner à lui ce soir? Que Dieu vous bénisse, madame. Ce jour, quand nous entrerons, que Dieu vous bénisse. Nous passerons non pas sous l'arc de triomphe, mais nous passerons sous la vieille croix rugueuse. En le louant, alors que nous entendrons chanter les anges, il viendra nous chercher un de ces jours. Et même si les vers détruisent ce corps, dans ma chair, je verrai le puissant conquérant. Car il me l'a promis et il ne peut pas faillir. Il est le Dieu du ciel. Et il est présent ici maintenant. Juste un autre avant de terminer dans la prière. God bless you over here, sir. God be merciful to you, lady. God bless you. God bless you sitting here, lady. That's right. God bless you, lady, right here, and you. That's good. Oh, merciful Father. Oh, Père miséricordieux. This glorious moment. En ce glorieux moment, si seulement cette petite audience ici ce soir pouvait voir ce qui se passe, par la foi, je crois que les anges agitent des drapeaux blancs dans le ciel. Les mères dont l'âme est sous le trône se réjouissent avec eux. Leurs enfants perdus sont revenus à la maison. Ils ont regardé par le treillis. Ils ont vu cette main se lever. Le diable est vaincu. Son royaume obscur, son domaine, n'a plus de puissance. Nous nous tenons avec lui, le grand et puissant conquérant. L'étoile du matin est au-dessus de nous. La vieille croix rugueuse est devant nous. Nous dégageons la voie. Ô Dieu Saint, je te présente ces convertis à toi et tu vas les donner à ton Fils. Tu as dit, personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et maintenant, le Père les a attirés et ils ont levé la main. Et Seigneur Jésus, ils t'appartiennent. Ce sont les dons du Père, les dons d'amour de ta grâce. Reçois-les dans ton royaume, je t'en prie, ô Dieu. Donne-leur le baptême du Saint-Esprit et place-les ici, dans le champ de bataille, sous la bannière de la vieille croix rugueuse, avec Jésus, le puissant conquérant, donnant les instructions. Nous triompherons finalement. Bénis-les, Seigneur, et bénis ceux qui auraient dû lever la main. Donne-leur une autre chance, Seigneur. Maintenant même, puissent-ils dire dans leur cœur, « Oui, Seigneur ». Nous ne savons pas, c'est toi qui sais, mais je te prie de les sauver de toute façon. Et reçois-en la gloire, car nous savons que le temps est proche où les récompenses seront données et où le jugement du monde viendra. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, pour ces enfants nouveau-nés, je te prie de te révéler ce soir à eux d'une manière extérieure où tu manifestes ta présence pour leur faire savoir que c'est différent de se joindre à une église. C'est différent de citer des credos. C'est naître de nouveau dans le royaume du roi et devenir ami du grand conquérant qui a conquis leur vie, leur péché, leur tempérament colérique, tous leurs péchés et leurs désillusions. Accorde le Père. Nous te les confions maintenant au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Oh, est-ce que vous ne vous sentez pas vraiment bien? Ce bon vieil évangile a quelque chose qui vous nettoie. Je l'aime, pas vous, si réel. Vous savez, je crois que ceci va être une soirée merveilleuse pour la guérison aussi. Maintenant, il est le puissant conquérant. Et regardez seulement ce soir aux mains qui se sont levées. Eh bien, le matin, aussi vite que vous le pouvez, allez dans une bonne église et soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit. C'est la promesse. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, repentez-vous chacun de vous, c'est ce que vous avez fait. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et il vous a appelé et vous êtes maintenant candidat au Saint-Esprit. Et cela vous met au service du Seigneur. Oh, nous vous souhaitons la bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous sommes si heureux de vous avoir comme notre frère et notre sœur. Que la grâce de Dieu repose sur vous, mon cher ami. Maintenant, nous allons prier pour les malades. Et que le Seigneur nous accorde ses bénédictions alors que nous prions. Et maintenant, n'oubliez pas demain soir, ils ont fait l'annonce. Et demain matin, les cartes de prière m'avaient dit de les avoir distribuées, mais je l'ai oublié. Et pour la première fois ici, c'est le même tableau lorsque Nathanaël avait trouvé Philippe, ou plutôt Philippe avait trouvé Nathanaël et avait amené au Seigneur Jésus, et il s'était mis à lui raconter ce que Jésus avait fait. Je peux imaginer Nathanaël dit, attends un peu, je ne crois pas ça. Je ne crois pas que cet homme sache quelque chose à mon sujet. Et quand il s'est approché, Jésus l'a regardé et lui a dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, comment me connais-tu? Tu ne m'as jamais vu. Il a dit, avant que Philippe t'appelle, à 50 kilomètres de l'autre côté de la montagne, je t'ai vu sous l'arbre en train de prier. Il a dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Combien dans l'assistance n'ont pas de carte de prière et voudraient que le Seigneur Jésus les guérisse? Voulez-vous simplement lever la main? Très bien. La Bible dit qu'il peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Touchez-le et voyez-vous ce qu'il a dit. Voyez-vous s'il ne parle pas exactement comme il l'a fait avec la femme au puits. Maintenant, monsieur, juste pour vous parler un instant, si vous étiez malade et que je demandais, monsieur, êtes-vous malade? Vous diriez oui. Je dirais, quelle est votre maladie? Vous diriez, j'ai une tumeur ou la tuberculose, quoi que ce soit. Je dirais, eh bien, vous allez être rétabli, monsieur. Ayez bon courage. Peut-être que vous seriez rétabli, mais ce ne serait pas un miracle. Ce serait juste un homme qui vous dit quelque chose. Ça ne déclarerait pas le surnaturel. Ce serait simplement un acte de foi. Est-ce correct? Mais maintenant, si le Saint-Esprit, si nous deux, des hommes, nous allons nous tenir dans sa présence, le puissant conquérant, et si le Saint-Esprit vient me révéler, comme Jésus l'a dit, je ne fais rien de moi-même, et je ne fais rien à moins que le Père me le montre. Alors, selon sa propre parole, qui est les Écritures qui ne peuvent pas être brisées, il a dit lui-même, je ne fais rien avant de le voir faire au Père. Combien savent que la Bible dit ça? Saint Jean 5, 19. Eh bien, ses paroles sont vraies, par conséquent, il ne fait que ce qu'il voyait d'abord faire au Père. Alors, il avait une vision, comme pour la femme au puits et tous les autres, il avait une vision. Maintenant, s'il fait la même chose ce soir, cela prouvera, et il me fait savoir quelque chose à votre sujet. Votre maladie, quelle est votre maladie? Ou pourquoi vous êtes ici? Ou quelque chose que vous avez fait? Ou n'importe quoi? Vous savez que moi je ne sais rien. Ce serait sa grâce, sa miséricorde. Ce serait pour prouver qu'il est ici. Le croiriez-vous ainsi? Est-ce que l'auditoire le croirait? Maintenant,
Nous voici tous les deux et je vais parcourir cette ligne de gens. Il n'y a personne que je connaisse. Même pas dans l'auditoire ce soir. Sauf Rosella, ici, je la connais. La jeune fille qui avait été guérie de l'alcoolisme. Tout comme ces gens qui sont ici chaque soir. Qu'en dites-vous, Rosella? C'est ça. Il lui a été dit qu'elle était alcoolique et le péché dans lequel elle était. Et je me demande si cette petite dame, qui était une danseuse, quel était son nom? Une jeune fille catholique, je pense. Et le Saint-Esprit l'a appelée, elle était ici l'autre soir. Elle et son mari, et un petit garçon, quel était son nom? Eileen. Eileen, es-tu ici ce soir? Veux-tu lever la main si tu es là? Elle était une partenaire de danse de Fred Astaire. Elle s'est impliquée dans la drogue et tout le reste, et le Saint-Esprit l'a appelée juste là, à Hammond. Elle a été glorieusement convertie, et aujourd'hui, elle est dans le champ de travail, travaillant pour le Seigneur. Rosella, dans les prisons et ailleurs, elle travaille pour le Seigneur. Quand elle était venue, elle était une ivrogne, misérable, aux yeux globuleux, malheureux, farcie de drogue, sortant de fosses sceptiques là, avec son manteau ouvert comme ceci et des bouteilles de whisky là, et les meilleurs médecins de la ville, il n'y a pas d'espoir pour elle. Mais ce puissant conquérant est passé par là un jour. Et la voici, une jolie, belle, jeune femme, un trophée de la grâce éternelle de Dieu. Qu'est-il arrivé? Certainement, le médicament, les alcooliques anonymes, rien ne pouvait guérir cela. Mais le puissant conquérant qui a conquis chaque tentation, chaque mauvaise habitude, tout ce que le diable avait mis sur elle, il a conquis cela. Et Rosella en est un témoignage. Pas seulement elle, mais des milliers d'autres comme elle. Regardez simplement et croyez. Maintenant, s'il fait cela, monsieur, vous sauriez que ça doit venir d'une origine surnaturelle, et l'audience aussi. Mais ça dépend d'eux. Et si vous pensez que c'est du diable, vous aurez la récompense du diable. Si vous pensez que c'est de Dieu, alors vous aurez la récompense de Dieu. Non, pas moi. Je ne suis qu'un homme comme vous. Le moindre parmi les hommes. Mais s'il révèle cela, alors soyez-en le juge. Vous saurez si c'est vrai ou pas. Et s'il sait ce qui a été, certainement il sait ce qui sera. En regardant cet homme, je ne suis pas en train de lire ses pensées. Dieu dans le ciel, lui qui est mon juge solennel, avec ma Bible sur mon cœur, sait que je ne suis pas en train de lire ses pensées. Pas du tout. J'observe quelque chose. J'attends. Par la grâce de Dieu. Pierre et Jean ont dit, regarde-nous. Ça veut dire, prête attention, observe. Jésus a eu la femme quand il a dit, donne-moi à boire. Il s'est mis à regarder cette belle jeune femme et il s'est mis à lui révéler son péché après lui avoir parlé un peu. C'est exactement la même chose. J'essaye de prêcher. C'est un esprit. Une onction. Ceci est une autre onction, tout à fait. Et passer de l'une à l'autre rapidement. Un jour, Dieu me donnera un vrai organisateur qui prêchera encore pour moi. Alors je tiendrai de longs services. Vous n'êtes pas ici pour votre propre santé. Vous êtes un homme en bonne santé. Mais vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. C'est un autre homme, quelqu'un qui est dans votre parenté, et ils ne sont pas ici, pas même dans cet état, même pas aux États-Unis. Je vois la contrée, on dirait une ville dans les collines, et c'est outre-mer, c'est la Norvège. J'ai été là. C'est votre beau-frère. Il souffre du cœur, l'hypertension. Et je vois apparaître une femme maintenant. C'est une parente, une nièce. Elle est sourde. C'est ainsi dit le Saint-Esprit. C'est vrai. Eh bien, s'il connaît ce qui a été, il peut connaître le futur. C'est lui qui a dit que ceci aurait lieu. C'est le même qui a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Croyez-vous? Alors prions. Dieu miséricordieux, devant ces enfants nouveau-nés, alors
qu'ils voient ton glorieux esprit agir dans le corps de l'Église. Accorde, Dieu éternel, que cet homme reçoive le désir de son cœur, alors que je prie pour lui, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Venez, madame. Nous sommes étrangers l'un à l'autre, n'est-ce pas? Si c'est le cas, voulez-vous lever la main pour dire à l'audience que nous ne connaissons pas? Si le Seigneur Jésus béni me révèle ce que vous demandez, allez-vous croire et l'accepter? Et croirez-vous qu'il vous accordera le désir de votre cœur? Vous aussi, vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. Et ce mouchoir, c'est pour cela. Et cette personne est une femme plus jeune que vous. C'est votre fille. Elle est extrêmement nerveuse. Elle a quelque chose à la gorge. C'est un goitre à la gorge. Elle a de sérieux problèmes. Elle n'est pas sauvée. Elle est une pécheresse. Son mari est un catholique. Et vous avez un petit-fils. Et ce petit garçon semble avoir 4 ans. Il est opprimé par le démon. Those words are truth. Ces paroles sont vraies. Maintenant, prenez le mouchoir. Repartez, ne doutez pas. Dieu vous récompensera pour votre foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, ma sœur. Croyez seulement. Maintenant, voici une femme que je n'ai jamais vue de ma vie. Sommes-nous étrangers l'un à l'autre? Si vous voulez lever la main, afin que les gens voient. Qu'en est-il, petit garçon? Tu priais, n'est-ce pas? Tu veux la guérison pour ton papa? Il souffre du dos, n'est-ce pas? Très bien. Ça va le quitter. N'aie pas peur. Vous croyez? Ayez simplement la foi. Qu'est-ce que ce petit enfant a touché? Il ne m'a pas touché. Il a touché Christ. Et il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Tout l'auditoire devrait être complètement convaincu. Vous avez décidé si vous croyez en lui ou si vous ne croyez pas. Vous avez décidé si c'est Dieu ou si ce n'est pas lui. Parlons à la femme ici un instant. Elle est debout ici. Oui, cette femme se tient ici à cause d'une maladie de vésicule biliaire. Et elle a quelqu'un d'autre à cœur. Et oh, dans quelles conditions se trouve cette personne? C'est votre frère. Il est dans un asile d'aliénés. Il est aveugle. Il devient sourd. Acceptez-vous le grand conquérant maintenant même à sa place? Alors, que le Seigneur vous accorde, ma sœur, le désir de votre cœur. J'aimerais toucher ce mouchoir. Oh, Dieu du ciel, délivre, je te prie, au nom de Jésus. Amen. Croyez seulement. Ne doutez pas. Jésus a dit, si vous pouvez croire, tout est possible à ceux qui croient. Madame? Je suppose que c'est la première fois que nous nous rencontrons, n'est-ce pas? Afin que les gens voient.
N'ayez pas peur. Tout ira bien. Maintenant, vous avez peur que quelque chose ne se passe, oui. Je ne vais pas le mentionner ici. Vous avez peur, mais n'ayez pas peur, tout ira bien. Et ce dont il est question, ne vous en faites pas, tout se terminera bien. Si le Seigneur Dieu du ciel me révèle ce pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous priez, serez-vous disposé à l'accepter? Je vois que vous souffrez d'une maladie de femme. C'est un désordre féminin. Et je vous vois couvert d'un drap blanc. Oh, c'est une opération. Vous venez d'avoir une opération pour ce même problème. Et ça n'a pas été guéri. Et c'est pour ça que vous êtes ici. C'est vrai. Et puis à nouveau, je vous vois avec quelque chose à votre bras. Vous faites de l'hypotension et vous êtes extrêmement nerveuse. Et vous êtes venu d'une autre ville ici pour qu'on prie pour vous. Avant de prier, vous avez prié dans une chambre de venir dans la ligne de prière. C'est ainsi dit le Seigneur. Et comme je vous vois quitter la ville, c'est Rockford, en Illinois. Rentrez, croyez, et vous irez bien. Que Dieu soit miséricordieux. Nous sommes inconnus l'un de l'autre, je suppose. Vous m'avez vu dans des réunions, mais nous ne sommes jamais rencontrés avant. Alors le Seigneur Dieu, s'il me révèle ce pourquoi vous êtes ici, monsieur, croyez-vous de tout votre cœur? Maintenant, auditoire, si jamais vous allez croire, croyez maintenant. Écoutez. Moïse a reçu deux signes à accomplir et aussitôt qu'il a fait cela, Israël a suivi. Il y avait d'autres prophètes, il y avait d'autres conducteurs et autres qui ont aidé à faire sortir Israël. Et après tout, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu, cette colonne de feu, qui suivait les enfants d'Israël. Moïse était un homme. Dieu était Dieu et il est toujours Dieu. Et maintenant, ces visions, ce ne sont pas des visions, c'est la foi de ces gens. Les visions, c'est ce qui arrive quand les jeunes gens qui enregistrent ici et autres sont à la maison. Ils connaissent ces choses. Cette série de réunions là en Afrique, c'est une vision. C'est alors que Dieu utilise son don, il le manifeste. Ceci, ce sont les gens qui font cela, c'est vous-même qui faites cela. C'est votre propre foi qui le touche. La raison pour laquelle je dois demander à quelqu'un ici de s'approcher, regardez simplement ceux qui sont assis devant moi. Et là, chacun de vous, des centaines, des milliers qui font se toucher. Et c'est difficile quand cela vient. Et vous devenez faible. Une vision fait plus de mal qu'une prédication. M'affaiblit. Ainsi, cet homme ici dit que nous sommes étrangers l'un à l'autre, et il se peut que nous soyons nés à des kilomètres de distance, mais le Seigneur connaît tout à son sujet et à mon sujet. Et si le Seigneur révèle à cet homme, ce pourquoi il est ici, ou quelque chose à son sujet dont il sait que je ne sais pas, si je ne le connais pas et que je n'ai jamais vu, et donc je ne sais rien à son sujet. Mais si le Seigneur fait cela, combien diront « Amen, je vais alors croire ». Maintenant, le frère et moi, nous nous tenons ici, déclarant que nous ne sommes jamais vus ni rencontrés auparavant et nous ne connaissons rien l'un de l'autre. Que le Seigneur l'accorde, monsieur. J'aimerais juste vous parler un instant, juste pour voir ce qu'il dirait. Je vois cet homme alors qu'il essaie de se lever d'une chaise.
Il se lève lentement. C'est l'arthrite. Et alors, il y a quelque chose qui ne va pas dans ses poumons. Et cela a été causé par quelque chose, c'est de la poussière des pierres qui s'est posée sur ses poumons. Maintenant, vous voyez cela? Combien croient maintenant? Plus on parlera à cet homme, plus il se fera des choses. Voudriez-vous que nous lui parlions une minute de plus afin que vous voyez le côté infaillible de la chose? Maintenant, honnêtement, avant que Léo ici ou quelqu'un me repasse la bande, je ne sais pas ce qu'il a dit. Ce n'était pas moi. Je vois quelque chose arriver et je dis simplement ce que c'est et vous entendez ma voix. Ce n'est pas moi, c'est lui. Il parle juste à travers ma voix, voyez-vous? Voilà ce que c'est. On dirait que vous puissiez voir cela. Il y a cette femme assise là en train de prier. Elle a une grosseur à l'oreille et elle prie que Dieu la guérisse. Croyez-vous que le Seigneur Dieu ôtera cette grosseur de votre oreille et qu'il va vous rétablir? Si vous croyez, lever la main et accepter le sap. Très bien, vous pourrez avoir ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'elle a touché? Parlons encore avec vous, monsieur. Voyons ce qu'il va dire. Oui, je peux voir maintenant, on dirait, quelque chose en ébullition, du brouillard. Ah non, c'est de la poussière. Quelque chose au sujet de la poussière qui s'est mise dans les poumons, c'est ce que disent les médecins. Là, dans les poumons. Et vous n'êtes pas de cette cité. Vous êtes d'une contrée et qui a des bois durs, et c'est près d'une rivière. Et je vois, cette rivière est un fleuve large, c'est l'Ohio. Et j'étais près de cet endroit-là, et vous êtes près d'Evansville dans l'Indiana. Cependant, ce n'est pas dans Evansville, c'est une petite ville près de la rivière qu'on appelle Lola dans le Kentucky. C'est de là que vous venez. Monsieur William Beeler, si vous voulez croire au Seigneur, rentrez chez vous et tout ira bien. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Croyez-vous? Croyez-vous qu'il guérira ce diabète et qu'il vous rétablira? Vous le croyez? Cette dame assise juste là, la dame âgée, qui me regarde là, elle souffre du cœur et du diabète. Elle est assise au bout du siège là, en train de me regarder. C'est vrai, madame. Maintenant, vous pouvez rentrer chez vous et être rétabli. À propos, madame, posez la main sur cette dame de couleur à côté de vous. Elle souffre de gastrite. C'est vrai. Et la dame de couleur, elle souffre aussi de gastrite, toutes les deux. Très bien. Vous ne l'avez plus maintenant. Le Seigneur vous guérit. Vous avez peur que cette arthrite vous rende estropié, mais ça ne sera pas le cas. Vous allez croire. Alors soyez rétablis. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous pouvez croire, croyez-vous? Chacun de vous? D'un même cœur et d'un même accord. Vous priez pour ce garçon. C'est une maladie mentale et il n'est pas sauvé. Croyez-vous que le Seigneur va le guérir et le rétablir? Monsieur, très bien. Il le fera. Amen. Ayez foi. Très bien. Venez, madame.
D'une part, vous souffrez d'une maladie de femme, ce qui est normal pour votre âge. Mais ce pourquoi vous voulez que je prie, c'est votre maladie du cœur, et Dieu vous guérira si vous croyez. Allez-vous croire? Très bien. Allez, et croyez. Laissez-moi vous demander quelque chose. Étant donné que vous ne comprenez pas bien cela. Oui, la Bible dit, voici les signes qui suivront ceux qui croient. Vous avez déjà lu cela? Vous avez désiré marcher plus près de Dieu. C'est vrai. Vous avez essayé cela depuis que vous êtes une petite fille. Mais pensez-vous que je suis un croyant? Allez-vous croire avec moi? Alors la Bible dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Maintenant, Seigneur, tu es Dieu et je te prie de lui accorder cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Allez, en croyant. Oh, what a beautiful time. Oh, quel beau temps. What a glorious moment. Quel glorieux moment. Be reverent. Maintenant, soyez respectueux. The lady sitting there, la dame assise là, elle veut être guérie de ses yeux, celle assise au bout du siège là-bas en train de prier. That's right. C'est vrai. The one next to you, la dame à côté de vous, à les glandes féminines infectées, la petite dame aux cheveux coupés, là. Les médecins ont dit que c'est une infection des glandes féminines. Si vous croyez de tout votre cœur, croyez-vous? Levez la main. Très bien. Vous pouvez avoir ce que vous avez demandé. Que pensez-vous de votre problème d'estomac? Que cela vous a quitté? Quand vous avez prouvé cette sensation, ayez foi. Et quand j'ai dit gastrique, quelque chose est arrivé. Vous avez été guéri de la même maladie. Vous-même, croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous? Croyez-vous que le Seigneur Jésus est ici pour vous rétablir, pour vous guérir? Que pourrait-il faire de plus? Maintenant, répétez exactement comme vous, comme je dis. Inclinez la tête. Maintenant, alors que je dis cette prière, priez-la dans votre cœur. Ô Dieu, Créateur des cieux et de la terre, dites-le à haute voix maintenant. Auteur de la vie éternelle, donateur de tout bon don, je suis ces instructions parce qu'on m'a enseigné ce soir que ton Fils a conquis toutes mes maladies. Je l'accepte comme mon conquérant et je me confie entièrement en lui en croyant que ma maladie, mes afflictions ou tout ce qui ne va pas avec moi me quittera car je le demande au nom de Jésus. Maintenant, soyez vraiment respectueux. Maintenant, accrochez-vous-y. C'est votre prière. Gardez cela à l'esprit. Qu'est-ce qui est près de vous? C'est cet ange du Seigneur. Oui, jeune fille, là, ce problème gynécologique va vous quitter. Très bien. Cette prostate, monsieur, aussi vous a quitté. Très bien. Continuez à prier. Continuez à prier. Seigneur, je sais simplement que tu es près de moi maintenant. Je sais que tu es en train de me guérir. Vous êtes assis là aveugle avec votre main levée. Ayez foi en Dieu. Il est près de vous, là. Ne doutez pas. Que peut-il arriver en ce moment? Que peut-il arriver? Si seulement vous croyez. Maintenant, restez enfermé avec Dieu. J'étais à Chicago plusieurs fois. Vous n'avez jamais vu quelque chose avancer sur cette estrade sans être touché par la main de Dieu. Dans aucune réunion, nulle part, vous n'avez vu cela. Il ne m'a jamais fait défaut et il ne me fera jamais défaut. Il va soit guérir, soit me dire pourquoi il ne peut pas vous guérir. Maintenant, je vais prier pour vous et demander pour vous, pendant que vous êtes loin maintenant, et que l'ange du Seigneur est juste à vos côtés.
Ne restez plus dans les ténèbres. La lumière est venue. Le grand conquérant est ici. Et alors que je prie, croyez que Dieu exauce ma prière et vous recevrez ce que vous demandez. Seigneur, toi qui as existé avant le monde, tu as vu chaque mouvement. Et je ne sais pas quoi de plus tu peux faire, Seigneur. Tu as accompli ta parole à la lettre. Tu es allé au-delà des frontières de notre imagination. Tu es allé si loin que tu as frappé de cécité des millions de gens qui sont dans les ténèbres ce soir parce qu'ils ont rejeté de marcher dans la lumière. Mais tu as ouvert les yeux de millions d'aveugles. Et, ô Seigneur, ce soir, que cet aimable groupe de gens ici, qu'ils ne marchent plus dans les ténèbres, que ceci soit cette glorieuse soirée pour chacun. Et comme ils essayent maintenant, en se pressant et en poussant, qu'ils se relaxent simplement, en sachant que tu te tiens à leur côté. Oh Dieu béni, j'ai prêché jusqu'à mon roué. J'ai regardé et amené les gens devant ta présence jusqu'à m'affaiblir et être tellement fatigué que je peux à peine me tenir debout. Maintenant, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais ceci pour moi, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, ôte tous les doutes des cœurs de ces gens, afin qu'ils sachent que tu te tiens ici à leur côté et que tu es prêt à les guérir, et que le démon de doute fuit loin d'eux, et que le Saint-Esprit afflue comme un vent impétueux, et qu'il remplisse chaque personne ici présente avec une foi divine, et que leur petite chandelle soit plongée dans l'huile du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris maintenant même. Accorde le Seigneur. Je te les remets entre tes mains et je réprimande le diable. Au nom de Jésus, le grand et puissant conquérant, qui a conquis chaque maladie et chaque ennemi de la race humaine. Et ce soir, il est infaillible, prouvant qu'il est le ressuscité. Satan, tu es vaincu. Enfouis-toi au nom de Jésus-Christ. Sors de cet auditoire et sors loin de ces gens, afin que Dieu puisse régner, dominer dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, levez-vous, brillez et rendez gloire à Dieu. Sa présence est dans le bâtiment. Sa puissance est ici pour transformer chaque maladie en bonne santé et vous donner le désir de votre cœur. Enfants, levez les mains et louez le Dieu puissant qui est au milieu de vous. Déposer la victoire en tes mains. Et parce qu'il vit, tu vivras aussi. Tu ne mourras pas, mais tu vivras pour déclarer les œuvres de l'Éternel. La maladie que tu as n'est pas la mort, mais c'est pour donner gloire au puissant conquérant. La situation à laquelle tu fais face n'est pas pour te détruire, mais c'est pour donner gloire au puissant conquérant. N'aie pas peur ce soir. N'aie pas peur ce soir. La pluie de guérison est en train de descendre dans ta vie. La pluie de victoire, l'onction suprême de Dieu est dans le bâtiment pour te donner la force, pour te donner la puissance, pour te donner la gloire. Alléluia. La pluie de guérison est risante.
étoile brillante du matin. Le réceptor de David, celui qui a laissé le tombe vite, celui qui a garanti ma résurrection, celui qui a garanti ma guérison, celui qui a garanti mon salut. Je ne peux pas rester muet ce soir. Je veux te louer, je veux te glorifier, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Alléluia!
voix de Dieu a dit, tu ne sortiras pas la même personne. Tu ne sortiras pas la même personne. Alléluia. Tu vas témoigner ce soir. Tu vas témoigner. Alléluia, alléluia. Thank you.
bénis la parole dans nos vies. Bénis ton serviteur dans la gloire. Bénis son âme, Seigneur. Garde la famille, Seigneur. Les enfants, Joseph, Philippe, Paul, tous les petits-enfants, David, Paul. Garde-les tous, Seigneur Jésus-Christ. Bénis notre cher pasteur, Seigneur, pour cette inspiration. Nos âmes ont été touchées. Et richement béni, Seigneur. Garde-nous dans cette présence, dans cette onction prophétique, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions et demandons sa bénédiction. Soit avec chacun de nous sur le chemin du retour. Bénis les offrandes qui seront prélevées. Laisse que l'ange et l'éternel puisse conduire chacun sain et sauf chez lui pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi pour ta gloire. Et que les rachetés puissent dire Amen ce soir. Est-ce que vous pouvez donner une main d'acclamation ?